Puissance 7. Puissance 7. Puissance 7. Alléluia, peuple du chemin du ciel. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, je me porte parfaitement bien avec le Dieu de Papa Florian. Je me porte comme un charme. Depuis sa présence dans ma vie, je suis d'éclat en éclat. Vous savez, mes frères et sœurs, ma vie avec... vous savez déjà, je vous ai précisé que je suis céleste. Je suis chrétienne céleste depuis plus de 15 ans. Et je vous assure que ma vie en tant que chrétienne céleste d'avant et ma vie aujourd'hui avec le Dieu de Papa Florian, c'est le jour et la nuit. Cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Tous les efforts que j'ai consenti à faire pendant mes 15 années, mes 16 années maintenant, ça fait 16 ans, mes 16 années de céleste, où j'ai tout fait. C'est-à-dire des bains dans les rivières, les bains dans les mers, les bains en forêt, les trous dans lesquels on te met, les couvents, les jeûnes, tout ce que j'ai pu à consentir comme effort en tant que chrétienne céleste n'a rien donné. Aujourd'hui, Dieu de Papa Florian, en une journée, une seule journée, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. Essayez de vous représenter 15 années d'efforts et une journée où tu ne fais pas d'efforts, tu n'as rien à faire. Juste à asperger le sang de Jésus dans ta maison et à croire que l'éternel Dieu de Papa Florian est le seul et unique Dieu vivant. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne fais que croire que dans ce monde, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, il existe un seul vrai Dieu. L'éternel Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu vivant. Celui de Papa Florian. C'est tout ce à quoi j'ai cru. Et regardez le miracle. Regardez le miracle. Je vais vous envoyer deux images. Je pense que les images parlent beaucoup plus que les mots. Je vais vous envoyer deux images que je vais vous présenter. Moi, en début de cette année 2023, c'était au mois de février où je me suis prise en photo. Donc, je vais vous envoyer ma photo de février et ma photo de maintenant. Ça fait un mois juste que je connais Papa, le Dieu de Papa Florian. Nous sommes en septembre, là. Donc, c'est depuis août que j'ai rencontré le Dieu de Papa Florian. Donc, essayez de vous... Mettez les deux photos et rien que ça vous dit. C'est-à-dire, vous montre l'ampleur de la grâce du Dieu de Papa Florian. Le seul et unique vrai Dieu. Je remercie l'Éternel de m'avoir choisi. Je remercie l'Éternel de m'avoir fait le connaître. De m'avoir fait le rencontrer, Dieu de Papa Florian. Je le remercie infiniment d'avoir entendu mes plaintes, d'avoir entendu mes prières et de m'avoir permis de le rencontrer enfin. Enfin. Maintenant là, lui et moi, on est au koï. Dieu de Papa Florian, toi et moi, nous sommes au koï. Non, donc je voulais partager ceci avec vous, mes frères et sœurs. Ma vie. Pendant ma vie de céleste, ma vie de chrétienne céleste, mes 15 années de chrétienne céleste. Et aujourd'hui, ma vie avec le Dieu de Papa Florian. Un mois, juste un mois de vie avec le Dieu de Papa Florian. Regardez, mes frères, et croyez. Croyez. C'est tout ce que le Dieu de Papa Florian nous demande. Croyez en lui. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous fortifie par le sang de Jésus. Amen.